俺がいたのがお前の不運だ。おめおめと決められてたまるか。俺はこれで対応する。On est en finale, on est en finale, on est en finale. Salut les amis, c'est Edco, j'espère que vous allez bien. Finale de la Ligue des Champions les gars, finale de Ligue des Champions dimanche le 23 août en espérant une victoire française, une victoire du Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Ça va être dur, ça va être un match très très compliqué pour aussi pour le Bayern aussi, faut pas se cacher. Je pense que ça va être un match très équilibré dans l'ensemble. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, on verra, ça va jouer à des détails. Bonne chance pour le PSG. Aujourd'hui, vidéo, d'ailleurs en parlant du PSG, j'ai le maillot de Neymar qui est juste là, voilà. Moi je ne l'ai pas mis parce que voilà, je viens de le laver, hop, voilà, Neymar Junior, voilà, sur la webcam, hop, voilà, il est tout propre, je viens de le laver, hop. Bref. Parenthèse terminée, donc incarnation du mur de fer de Catenaccio, le terme avant employé par plusieurs spécialistes médias du foot à l'époque. Hein, à l'époque. On a Thuram, Davi et notre ami Gentile. Donc, trois joueurs emblématiques de la Serie A, du championnat italien. Je fallait dire japonais, non, italien. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc là, on a terminé ça. Ah, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 15 Dream Ball en tout. Donc c'est bien. De toute façon, c'est bon à prendre. On va pas cracher dessus. On a peut-être 10 ballons. SR. SSR, pardon. Oh, c'est bien. Bah, merci. Compétition Confédération. Ah, d'accord. C'est revenu. Ok. On va checker les infos avant d'aller voir les joueurs. Donc c'est un palier 3%. Voilà. Donc à vos risques et périls, les gars. À vos risques et périls. Donc Dreamco, on a fait pas de soucis là-dessus. Bon, il y a un portail Jap. Éveil du potentiel. Désormais disponible. Qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Ah! Le Bounac Dream Fest. Le Santana. Ça m'intéresse. Le Santana, je ne l'avais pas. D'accord. Ok. Bah écoutez, on va voir ça tout à l'heure. J'espère ne pas oublier. D'accord. Alors, l'émission. Bah attends. J'ai dans l'info, je rate que ça. Je suis trop fort comme mec. Allez. Alors, campagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous? Ce que j'aime pas avec les News Club, c'est qu'il y a des choses qui se cachent toujours là-dessous. Alors, remporte des matchs, empoche des splendides récompenses. Ah, il y a la coupe estivale, d'accord. Pack de Dream Ball, ok. Je vous laisserai checker ça, les amis. Ok. Retour. Il serait peut-être temps de changer la musique du menu, les amis. Hein. La musique du menu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc renforcement. Boutique encore. Boutique. Scénario. Du 21 au 26. D'accord. Discount, ok. Moi, je prends toujours les 3 packs à 50 centimes. 1,50€, ça tue personne. Hein. C'est pas la mort. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait voir. Alors, on va aller dans recruter déjà pour commencer. Alors, donc le Dreamco se termine en 2 jours. Le portail Verdun de Brême aussi. D'accord. Bah, écoutez, on va regarder les 3 joueurs. Les 3 joueurs. On va commencer par Thuram, qui n'est pas. Bah, c'est le deuxième Thuram du jeu après l'Thuram DC, Dreamco. Bleu, défenseur, bien évidemment, 1203 d'endurance, très fort, parme français. Attaque, 13592, donc bon,
on va pas détailler. 24 000, on va dire, même on va arrondir à 25 000 de défense, et là ça va faire très très mal. 9 200 en tacle, 8 072 en contre et 7 725 en interception. C'est un monstre. Au niveau stat, c'est un monstre. C'est peut-être maintenant l'un des meilleurs tacleurs du jeu. C'est incroyable. Incroyable. Et physiquement, ça va. C'est pas folichon, mais ça va. À part la rapidité qui est à 6821, ça c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas folichon, mais gros stat, gros tacleur et gros contreur aussi. Allez, il donne à tous les joueurs non japonais cause super cohésion 20% bleu. Donc voilà, donc si par exemple à l'anniversaire il vous manquez une super cohésion bleue, que vous cherchez désespérément le Espadas, et ben ce Tora peut vous donner la cohésion manquante. Ça fait plaisir. Tueur face au tir autre que ballon bas, plus 30%, ça fait mal. Ça va faire la différence au niveau des contres. À part si vous avez un gros shooter comme maintenant le Santana Super Dream Fest V2. Ça peut-être passer, mais là face aux autres, ça va être compliqué. À part s'il a un contre S, on va voir ça tout de suite. Oui, il a un contre S 450. Ça passera à chaque fois en fait. Tant qu'il a de la stam pour relancer son contre, bon, en plus c'est contre haute puissance, ça coûte assez cher, 445, c'est très très cher. Tacle KO, donc l'animation qu'on a vue en début de vidéo. L'interception forcée et passe puissante. Donc, non, très bien. Très, très bien, Storam. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la carte aussi. Avec le maillot de Parme. Magnifique. Alors, le lien. 2% pour tous les joueurs exactement japonais de type vert. Voilà. Donc, ça commence les Micmac. C'est un nom Jap bleu. Mais il faut 3 joueurs Jap vert. Voilà. Donc, désolé pour Dwarf. Je sais pas si vous entendez. Ça tourne la pelouse. Attendez. La fenêtre elle est ouverte ou pas? Attendez. Ouais, la fenêtre est ouverte. Attendez, je vais la fermer. Voilà. On entendra beaucoup moins. Hop. Voilà. Les aléas du direct. Alors, il ne subit pas les effets de la neige et tueur d'endurance face à un duel endurance utilisé par ça. 20%. Non, j'aime bien. J'aime bien le Thoram. Il est pas mal. Franchement, petit coup de cœur pour le Thoram là. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Il va être rouleau à passer. Hein. Il va être très rouleau à passer. Davy. Donc moi j'ai le vrai, Edgar Davids, avec le portail Juventus. Alors la version Wish. Bon, Wish entre guillemets. 1247. Il est vert, hollandais. 16 617. Bon. Par le dribble et un petit peu la passe. C'est pas folichon. Attention aux relances. Il faudra faire un petit peu attention à la relance. Défensivement, 21 500 en défense, donc on va arrondir à 8 000 en tacle, pas mal. Interception 8 696, gros intercepteur, donc très très bien. Voilà, voilà des bonnes stats d'un milieu défensif. Ça sert à rien de lui mettre le compte parce que voilà, il pourra pas contrer. Et physiquement, c'est assez bien réparti, je trouve. Donc 6 100 et 6 600 en technicité, c'est très bien. Ça va parfaitement avec son interception pour la technicité. J'aime bien le Davy. Lui, il donne par contre super cohésion club vert. Voilà. Il va vous falloir 5 joueurs club vert pour activer la super cohésion. 20%. Interception automatique. 80% que as déclenche. Donc, 8 chances sur 10 qu'as déclenche. Donc, c'est... Elle va se déclencher presque à chaque fois en fait. Pratiquement à chaque fois. Interception balayée. Tacle tracker. Dribble de coureur. De coureur, pardon. Parfaite passe croisée. Ça va. J'aime bien. En fait, lui va carrément remplacer le Calls Dream Fest. Quoi. Celui que j'aime toujours, qui est toujours autant efficace. J'aime bien. La carte est sympathique. Elle aurait pu être plus belle. Mais ça va. Alors lui, le lien. Alors il va vous falloir 3 joueurs de type force, plus 2%. Club. Et là, il y a moyen. Voilà, là, il y a moyen. Si tu comptes monter une team club, il y a clairement moyen de activer ce lien. Donc, terrain cabossé, il est résistant.
tueur de 1-2. Donc là des nouveaux potentiels lorsqu'un laser search en 1-2 permet de plus 50%. Et là, tu passeras pas. Là, tu ne passeras pas. Moi, je te le dis direct, tu ne passeras pas. Donc là, ça va brain. Quand un joueur adverse va arriver devant Davy, il va brain. Il va essayer de dire, peut-être qu'il va penser que je vais faire un 1-2, mais en fait, je vais faire un dribble ou je vais faire une passe. Et ça, j'aime bien parce que ça va nous permettre de réfléchir maintenant, de prendre des décisions. Avant, les mecs s'en battaient les cacahuètes. 1-2, 1-2 avec Roberto et Tsubasa ou avec Miyazaki, et voilà. Lien club, plus il y a de joueurs club participant dans le match, et plus il augmente ses stats, 10%. Et ça, c'est pas mal. Déjà que ses stats sont assez élevés, plus c'est 50% lors du 1-2. Si vous avez mis au moins 5 joueurs de type club sur le terrain, 10% supplémentaire. Pas mal. Pas mal. Donc lui, c'est clairement, il rentre clairement dans une logique club, hein, le Davy. Tandis que le Thoram, c'est autre chose. Thoram, tu peux le mettre dans une équipe non-jap, ça passe. Gentilé rouge, 1086 d'endurance. Bon, un peu moins que les autres. 15 389 en attaque. Bon, pas trop détaillé, à part un peu la passe, mais sinon c'est assez faible. Par contre, défensivement assez homogène. 22 660 en défense, 7 800 en attaque, 7 300 en compte, 7 481 en interception. Donc pas mal. Assez bien réparti les stats, j'aime bien. Assez polyvalent, la carte est sympathique, 18 117 en physique, 6005, 6089 et 6514 en technicité, ça va, c'est pas fou, mais ça va, on va voir ça tout de suite, lui super cohésion, club rouge 20%, voilà, plus il y a deux joueurs de club, donc là ça va, bon c'est vrai que ça rattrape les stats qu'il avait, ça rattrape un petit peu les stats. Mais bon, voilà, lui, il est comme Davy, il rentre dans une logique club. 20% maximum, voilà. Défense angle droit, on la connaît depuis le début du jeu. C'est un peu dommage de ne pas nous sortir un nouveau tacle de notre ami Gentilé. Contre de la nouvelle étoile, on aurait bien voulu qu'elle soit S, quand même, parce qu'elle vient d'arriver. Enfin, voilà, on aurait aimé, parce que 350, ça, face à des gros tireurs, ça va passer, hein. Bon, en fait, il va vous falloir le contre du Dreamfest. Si vous l'avez en doublon ou en triplon, et que vous avez ce Gentilé là, faudra lui mettre. Interception du Dandy. Essayez d'avoir l'interception S. Peut-être qu'ils sont dans le shop. On va voir peut-être tout à l'heure si j'oublie pas. Alors, lui, il donne quoi? 3 joueurs, non, ok, type vitesse plus 2%. Voilà, par exemple, l'autorame qu'on vient de voir. Bon, en fait, c'est voilà, le Thoram et d'autres joueurs club. Voilà, bon, lui il est pas vert, enfin il est pas bleu, pardon. Donc, le Thoram qu'on vient de voir, peut-être 2-3 joueurs, par exemple le Fonseca qui est bleu, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a en bleu en club? Le Revolt Dreamfest, voilà, par exemple. Résistant cabossé et seulement de la TS, pas mal, mais bon. Moi, je reste sur mon Thoram qui petit coup de cœur pour le Thoram. Franchement, petit coup de cœur pour le Thoram. Hop. Donc, pour vous faire une rotation 150 Dream Ball, ça, je vous apprends rien, hein, les amis. On va aller voir dans les joueurs. On va aller voir les nouveaux potentiels de Bounak. Parce qu'il était vraiment temps que le Bounak ait son potentiel du Dream Fest. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu. Je courais un peu derrière lui, je ne vais pas vous mentir. Derrière le Bounak. Mais maintenant, bon. Voilà, quoi. Je suis passé à autre chose. Hop. Alors, le Bounak Dreamfest potentiel, il est là. Alors, il monte à 1192. Ok. 7117 en tacle, 7388 en contre et 7522 en interception. D'accord. Donc, 15% non-jap de type force. Ouais. Interception automatique. 100%. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, 100%. Donc si tu fais une passe à côté de ce Bounak, c'est fini. Interception du Moutai, bon ça change pas, il change pas les tests. Par contre, voilà, on va regarder là, les liens. 1,5% pour un Kalifazi, ouais. Ouais. Seulement de la TS, 70% que ça prog. Ok. Et il diminue les paramètres de l'adversaire à moins 20%. Ce qui est énorme. Excusez-moi. Ce qui est énorme. Ouais, c'est énorme.
Pas mal. Pas mal. C'est pas fou, c'est pas insane, mais c'est pas mal. Ça remet un peu le Bounak à l'ordre du jour. Et je suis content que le Santana ait eu enfin son HA. Il était vraiment temps. Mais par contre, où est Santana? Ah, il est là. Parce qu'il avait son maillot Valencia. Donc ça m'a un peu perturbé. Je vois que tout le monde a le maillot du Brésil sauf lui. Alors, le Santana, il est là. Hop. Vous inquiétez pas, je vais le monter après. 8659 en tir. Il monte à 1149 en endurance. Ok. Alors, 15% non-jap. Ok. De type technique, bien sûr. Et plus il y a des joueurs techniques. Ouais, mais ça, fallait changer, les gars. Fallait changer. Fallait changer, c'est fini. Les histoires de couleurs et tout. Franchement, c'est... Bref. Alors, le lien. 1,5 pour World Youth. Ok. Bon, ça, à la rigueur, tu peux l'activer. Voilà. Plus 7% face à des joueurs bleus. Pas mal. Donc face à un gardien bleu, ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff. Et tueur d'endurance, donc ça veut dire un gardien va utiliser plus 10% sa TS de catch. Pas mal, 10% c'est pas fou. On aurait aimé 20 ou 15, mais 10. Voilà, c'est dommage. Je trouve que le potentiel de notre ami Santana, c'est pas fou, les gars. C'est pas fou. On va regarder vite fait la boutique s'il y a des nouveaux items qui se sont rajoutés dans le magasin Dream Ball. Et on va s'arrêter là. Hein. Oui, c'est assez. Alors, 50 centimes. Il y en a 3. 5 Dream Ball et un ballon. Ah, pas mal. Pas mal ce petit pack à 50 centimes. Ok. Ah bah voilà. Bon, bah pour 3 euros, les gars, vous avez 30 Dream Ball. Et plus, on l'a vu tout à l'heure, et plus 3 ballons noirs. Les médailles d'été, voilà, j'ai farmé un peu cette nuit, donc j'ai pris la 5-1-2-2. Bon, je pense pas l'utiliser. Je pense pas l'utiliser. Bon, ils ont pas rajouté. Non, ils ont pas rajouté pour les nouveaux joueurs. Peu dommage. Bon, on a une interception forcée de Thoram ici. Mais c'est tout. On a rien à se mettre sous la dent ici. Non, ils ont rien mis. Un peu dommage. Un petit peu dommage. Bon, on va faire peut-être la single à une orbe, histoire de. Allez. Bientôt vidéo découverte de Captain Tsubasa Rise of New Champion avec une vidéo unboxing du collector. Voilà, bon, on n'aura rien. Donc voilà, donc restez branchés, pensez à vous abonner hein, les gars, si vous voulez rien rater des vidéos du Letco sur Rise of New Champion. On va essayer de faire des vidéos tuto aussi pour vous apprendre un peu à. Pour vous aider à jouer, pas pour vous apprendre, mais pour vous aider à jouer. Enfin celle-là aussi, hein, tant qu'à faire. On sait jamais hein. J'aime bien la carte du Chester. Non. Ça aurait été bon hein, qu'on drop en vidéo. Ça a été beau. Allez, on va faire ça aussi. Ok. Alors, il nous reste combien dans le pot? Ouais, quand même. Ok. Bon, bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner comme je vous ai expliqué. On va bien évidemment, je n'arrête pas Dream Team. On va jouer sur les deux jeux. Je sais pas si ça va être si ça va être compliqué au niveau emploi du temps entre Rise of New Champion plus Tsubasa. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum pour faire de belles vidéos sur Rise of New Champion. Donc vidéo unboxing, peut-être même vidéo let's play. Voilà, donc je crois qu'il y a apparemment un mode scénario du jeu, donc on va essayer de faire un mode scénario du jeu. Et peut-être faire aussi une série, une série carrière en fait, voilà. On va essayer de faire des vidéos carrière. On va essayer en tout cas, voilà, je vous promets
pas parce que voilà, j'aime pas promettre pour rien, mais voilà, je vais essayer de vous faire tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos Dream Ball. C'était Letko. À la prochaine. Ciao, ciao.